une vidéo en fait qui me tient à cœur sur la liberté. Il y a aujourd'hui des processus, des lois carrément liberticides qui sont en train de se mettre en place dans différents pays. Et il me semble important de se dire qu'aujourd'hui c'est l'heure du choix. C'est vraiment l'heure du choix de savoir comment je vais faire pour être vivre demain et libre demain, surtout libre de mouvement, libre de pensée. Et la liberté de mouvement est très importante. On ne se rend pas compte, nous, en Occident, en Europe, aux États-Unis, parce que on a une certaine liberté de mouvement et une facilité à quitter nos pays grâce au passeport. Voilà, où on est des privilégiés par rapport à d'autres pays. C'est très compliqué dans certains pays asiatiques ou africains de quitter le pays. Hein. D'avoir les autorisations, ils ne les ont pas. Et nous, on a cette habitude-là et on ne se rend pas compte à quel point là c'est en train de se resserrer et que c'est en train de se refermer. Donc, je crois que c'est vraiment l'heure du choix et il n'y a pas 50 situations. Pour moi, il y a soit la majorité des gens qui sont dans la peur et la tétanie. Et donc là, ils sont figés comme un animal devant ces phares de voitures qui arrivent et ne sachant quoi faire, ils s'arrêtent, ils se figent, ils sont déconnectés d'eux-mêmes par la peur. On ne pourra rien faire par rapport à ces personnes-là. Ça ne sert à rien d'essayer de les secouer quelque part. Glissez-leur des impôts si vous voulez, mais surtout ne dépensez pas d'énergie là-dessus parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être vous en adéquation avec vous, d'être aligné, d'être en paix avec vous-même et de savoir ce que vous devez faire pour pouvoir traverser ce chaos actuel qui est individuel, qui est sociétal, qui est collectif, qui est planétaire, avec le maximum de paix intérieure. Et retrouver sa liberté, ça passe par là. Donc il y a deux choix. Soit vous vous dites, mon pays est en train de sombrer dans une dictature à grands pas. Et donc ça fait plusieurs années hein, que dans plusieurs pays c'est comme ça, et notamment la France, hein, les plans multipirates qui sont en place, voilà, où les libertés sont en chute libre. Et soit vous dites, j'y crois pas, je crois pas que les citoyens vont se réveiller, qu'on va être assez nombreux, qu'on va pouvoir sauver ce pays-là. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est fuir. C'est partir. Et il va falloir vous lancer dans l'expatriation et trouver un pays ou un système international qui va vous permettre de garder de la liberté. Donc ça, c'est vraiment un gros processus, ça englobe beaucoup de choses en termes de développement personnel, de restructurer son système financier pour être là-dedans, moi, depuis 4 ans. Donc, j'ai pas attendu le coronavirus, il y a plein de motivations qui fait que je suis parti. Non pas, je ne croyais pas à la France, mais des appels intérieurs beaucoup plus forts. Je vous recommande une formation, celle de Charles D. Ripper, qui s'appelle les 3S, qui vous donne les moyens réels de réussir, le moins vous planter dans ce processus d'expatriation et de choisir avec parcimonie votre pays. Donc si vous êtes dans ce chemin-là, deux sources d'informations qui vont énormément vous aider pour comprendre comment on gagne en liberté en s'expatriant. C'est la liberté physique, c'est la liberté de choisir et de profiter du meilleur de chaque pays. Donc c'est très très particulier. Il y a la formation de Charles D. Ripper et il y a également un site qui s'appelle libredetat.fr ou .com, je ne sais plus, qui est en fait une adaptation française d'un site anglais qui s'appelle taxfree.today, où c'est un Allemand qui a mis ça en place, qui a voyagé dans quasiment tous les pays du monde et qui vous explique comment vous expatrier, donc le système des 5 drapeaux, des 13 drapeaux, où monter vos sociétés, où monter vos comptes en banque offshore, comment vous émigrer dans un pays. Bref, vous avez énormément d'informations. Si vous êtes dans cette vision-là, allez-y, renseignez-vous, il n'y a pas beaucoup de temps devant nous pour mettre en place. Je parle de quelques années avant que ça se durcisse énormément dans un certain nombre de pays et que ça devienne impossible de les quitter. Si par contre vous pensez qu'il peut se passer et que votre place est en France et que c'est ici que vous devez agir, alors réveillez-vous. Alors très sérieusement, réveillez-vous et la désobéissance non violente s'impose de fait. Il n'y a pas le choix, il va falloir réfléchir à se dire comment vous pouvez agir en minimisant les risques et par contre en optimisant le potentiel de liberté. Donc il y a des actions juridiques qui sont en cours. Je vous renvoie vers la fondation de Jean-Jacques Crèvecœur. Vous allez trouver des références par rapport aux actions et aux avocats juridiques. Et puis, vous invite énormément dans un premier temps, avant d'agir, de partir tête baissée, de réfléchir. De réfléchir et d'avoir des arguments et surtout que vous vous rassurez dans votre légitimité
à agir et être dans la désobéissance. Ce que j'entends par là, c'est premièrement, informez-vous et trouvez les chiffres et les sources. Je vais essayer de vous en mettre quelques-unes sous la vidéo. Comme quoi, en fait, le Covid-19 est une énorme arnaque. Il n'y a pas eu plus de morts. Donc, c'est un gros all-in, un gros coup d'État mondial. Ça nous montre simplement à quel niveau la corruption mondiale est en place parce qu'il n'y a pas eu plus de morts. Donc ça, il y a des chiffres concrets qui nous montrent. Premièrement, dédramatiser la situation. Deuxièmement, voir qu'il n'y a aucune légitimité scientifique et médicale à toutes les mesures qui ont été prises. Donc là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo d'un interview qui a été fait par Jérémy Mercier, il me semble. Il n'y a pas longtemps que je le suis. En tout cas, il y a un Canadien qui a fait une étude très très sérieuse et qui démontre comment le masque, la distanciation sociale, le gant, le gel de je sais pas quoi, n'ont aucune incidence sur ce type de virus et ne peuvent pas en avoir. Vous ne pouvez pas vous protéger et vous ne pouvez pas protéger les autres avec ces actes-là. Par contre, le corollaire, c'est que ça a un effet très négatif à deux niveaux. Ça affecte votre système de défense immunitaire, vous diminuez votre capacité de respiration et donc là, vous vous exposez à être beaucoup plus sensible aux maladies. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le terme qui a été utilisé n'est pas anodin, c'est distanciation sociale. C'est en train de casser le lien social. Et casser le lien social, les humains ont besoin. C'est un fondement et un droit, et surtout, c'est dans notre nature profonde. D'ailleurs, la seule étude anglaise qui s'est faite sur plus de 75 ans qui montre pourquoi les gens sont heureux, c'est la qualité de la relation sociale. Ne plus être en relation sociale, c'est notre mort assurée de l'humanité. Donc là, il faut bien comprendre l'enjeu de ce qui se passe derrière, à glisser et à accepter en fait ce type de comportement. Et ce qu'il montre dans cette étude, c'est que en fait, en acceptant, ça légitime une mise en place d'une dictature. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir cette interview qui est très bien faite, qui est très bien montée, qui est très bien argumentée par le scientifique dessous. Donc, si aujourd'hui vous vous demandez quoi faire, prenez votre place, positionnez-vous et décidez de qu'est-ce que vous devez faire. Et c'est pas forcément lutter. C'est pas forcément, tout le monde n'est pas un Thierry Casas-Tempas ou un Jean-Jacques Rapkeur et qui se sent être en lutte et en opposition. Je crois pas. Mais prenez vos décisions et engagez-vous avec vous-même et allez-y. Renseignez-vous et allez-y. Je me suis vraiment posé la question ces deux derniers mois et surtout là ces derniers jours, me dire ok, c'est quoi ma place? Est-ce que moi aussi je dois relayer les informations? Est-ce que je dois m'engager avec beaucoup plus d'énergie et de temps et de moyens pour diffuser l'information et lutter en fait contre les barbaries qui sont en train de se mettre en place et les dictatures qui se mettent en place. D'ailleurs, au Canada, j'ai bien aimé l'expression d'un des avocats qui parlait de dictature molle et qui démontrait pourquoi c'était déjà une dictature. Et en France aussi, bref. Je crois que ce qui est important, mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, c'est vraiment d'être à votre place et d'être en paix avec vous. D'accord ? Donc, d'agir en adéquation. Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, je pense que ma place, elle est beaucoup plus à créer une fondation pour préserver la forêt. Et c'est pas pour rien, parce que je crois que l'avenir va pas être simple. Il va être radieux, il va être lumineux dans les années à venir. Par contre, on a une phase de transition qui va être excessivement douloureuse, qui va être comme un accouchement. Et il y a une forme de douleur dans l'accouchement. Et on a malheureusement une certaine résistance à souffrir, on ne sait plus faire circuler la souffrance. Donc, et c'est cette résistance-là qui nous met en porte-à-faux. Je reviens, pour moi par exemple, j'ai une toute petite partie à diffuser des informations. C'est un petit endroit où je me sens aligné avec ça. La grande partie, c'est la fondation de la forêt, pour deux points. Premièrement, parce que c'est un enjeu majeur écologique. D'accord ? Et je crois vraiment qu'on a besoin de biodiversité et de retrouver un habitat pour tous les êtres vivants. Et tous les êtres vivants, je parle des animaux, je parle des plantes, je parle des humains, et je parle des êtres éthériques, des elfes, des fées, et toute la grande famille des
des êtres de la lumière et des êtres de la nature. D'accord ? Donc ça, je crois qu'on ne peut pas vivre, l'humain ne peut pas vivre sans écosystème écologique. Et les piliers de l'écosystème sur Terre, sur cette planète, c'est l'arbre et c'est l'eau. Et moi, je me sens appelé par l'arbre et la forêt. Donc, je vais y aller. Et puis, le deuxième point très important, c'est que je crois dans cette transition douloureuse des sociétés humaines, il va y avoir des îlots de lumière qui se créent et qui vont avoir besoin d'espace pour fonctionner en tribu et en autonomie. Et le fait de créer une fondation et de mettre à disposition des endroits comme des lieux, certains lieux de forêt dont nous ne sommes pas propriétaires, mais dont ce sera la fondation qui sera propriétaire, un peu comme si la forêt était elle-même propriétaire d'elle-même, mais qu'elle met à disposition des hectares pour que certaines communautés, tribus, collectifs puissent s'installer et faire des expériences d'autonomie en se déconnectant, en se mettant « off grid », comme ils disent en anglais, en étant autonome en eau, en énergie, et puis sans école et sans gouvernance, faire des expériences de gouvernance entre nous, je crois que ça, c'est là où est beaucoup plus ma place. Alors que si je me dis « Ah, c'est vraiment important !» Oui, et oui, c'est important ces engagements et les actions qui sont en train de mener dans différents pays, en Belgique, en Suisse, pour ceux que je suis un peu, c'est très important. Mais si je mets toute mon énergie là-dedans, ce que je dois créer va manquer à un moment dans le grand plan divin. Et donc moi, j'ai à mettre ma goutte de colibri. Alors, un instant. Je dois tourner là ou là-bas ? Là-bas. Et ça, c'est important. Et donc, la question suivante, c'est mais ok, mais comment j'arrive à savoir où je suis, ce que je dois faire, quelle est ma place ? Restez près de votre cœur. Retrouvez votre paix intérieure. Restez connecté à vous-même. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de partir sur un projet. Ça vous aide à mieux comprendre ce que vous devez faire. Mais l'action est déterminante et rester proche de soi est également déterminant là-dedans. Alors, comment on fait ça? En fait, on peut le faire de multiples façons, mais c'est assez simple. Moi, la manière dont je le fais, c'est ancrage, enracinement quotidien pour rester connecté 20 minutes par jour. 20 minutes par jour pour avoir ma boussole intérieure. Très important. Deuxièmement, faites circuler les émotions. Vos peurs, vos angoisses, vos tristesses. Allez vous balader en nature. D'accord ? Parce que ça va vous aider à retrouver de la paix intérieure. Il y a un soutien immense de la forêt et de la nature pour ça. Donc, allez vous balader en nature et faites circuler vos émotions. Si vous êtes un handicapé émotionnel comme moi, je vous invite grandement à regarder les vidéos de Tal Chaleur, du docteur Tal Christian Chaleur, et vous tapez gestion émotionnelle, faire circuler ses émotions avec Tal Chaleur. Et il va vous partager gratuitement sur YouTube des vidéos, comment faire le tigre, comment faire l'ours, et déjà ça va vous donner des clés pour faire circuler, c'est ce qu'il y a de mieux. Et à partir de là, vous allez faire circuler vos peurs, ça va mettre en mouvement et vous allez pouvoir après dans votre marche ou dans votre méditation ou dans votre contemplation dire ok, qu'est-ce que je dois faire ? Et retrouver de l'inspiration, retrouver de l'intuition. Bien. Bon, je pense que moi je dois faire ça. Ok, j'y vais, je passe à l'action et je me confronte à mon idée, je me confronte à mon intuition, à ce que j'ai capté et je la valide par l'action. D'accord ? Est-ce qu'une fois que je suis dedans, ça me met en joie ? Et ça, c'est l'élément déterminant qui va vous dire si vous êtes aligné avec vous. Alors cette joie-là, peut-être qu'à côté, il y a aussi des peurs. Et c'est tout à fait ok. Mais vous sentez que vous y êtes, que là, c'est ça. Et peut-être que dans 2 mois, dans 3 mois, vous sentirez toujours en joie dans l'action que vous êtes en train de mener. Alors, l'action que vous êtes en train de mener, je ne sais pas, moi, ça peut être de vous dire, je prends du temps à être bénévole pour aider à faire circuler l'information, pour aider à monter une fondation. Et il y a de multiples choses à faire. Je vais faire une vidéo après là-dessus sur des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais donc, cette qualité de retrouver la connexion à soi ne doit pas être parfaite. N'attendez pas d'être un être éveillé. N'attendez pas d'être à 100% sûr. Prenez les outils que vous avez, reconnectez-vous à vous-même et après passez à l'action et confrontez. Et puis peut-être que vous allez vous dire non mais en fait je suis en train de faire ça, ça ne parle pas. C'est pas que ce soit dur ou quoi, mais je sens que c'est pas complètement ça. Bon, mais continuez un peu pour voir et après changez de cap dès que vous sentez que c'est le moment.
Voilà, je vous invite vraiment à laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de comment retrouver notre liberté. Si vous, vous voyez d'autres axes, moi je vois que ces deux axes-là, hein, soit agir là où on est, soit partir. Parce que c'est une base sur la liberté de mouvement. Et donc, c'est des vraies questions à se poser. Il y a plein de questions qui se posent derrière, hein, en fonction de ce que vous voulez. Mais si vous avez d'autres orientations, d'autres propositions, je serais vraiment très heureux de les lire dans les commentaires. Je vous invite et surtout, je vous remercie de prendre soin de votre lumière, de prendre soin de vous, de rester aligné avec qui vous êtes et de faire transpirer votre lumière dans vos actions. Prenez soin de vous, je dis à bientôt.